Minajua ako na maneno ya kuambia kwa sababu selesel president mwenye alifika Wicha fasi kwenye masakre iko akatoka Wicha akafika Beni 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 Butembo Butembo mpaka Goma. Tunasema karibu sana president Martin Fayulu. Tunaendelea kusema watoto wa Goma, tusoge mbele wale wote ambao mko kule nyuma, msoge mbele president hapana neno, mtakuwa na okazi ya kupoze question ili ni heri msoge karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana kwa wote. Asante kwa wote ambao tumezunguka pamoja depuis aéroport, Birere, Signes, station Mutinga, Estigo, Pakapa, Tulashukuru, sana, sana, sana. DJ, tulitaka utie wimbo ya candidat numéro 21, Martin Fayulu. C'est Martin Fayulu, candidat numéro 4, soutien du peuple. Tunataka kuanza, tunataka kuanza. Tungeomba hata wote ambao wako kule kutubino wakuye huku mbele. Hakuna mvua, hakuna mvua, mvua. President Eli aliomba Mungu mvua haikunyesha. Watoto ya Goma, jambo. Watoto wa Birere, jambo. Watoto ya Majengo, Katoi, Ndosho, jambo. Watoto wa Nyiragongo, jambo. Watoto ya Masisi, Bunagana, Jomba, jambo. Watoto ya Sake, Masikichanga, Masisi, jambo. Martin Fayulu, Martin Fayulu, Martin Fayulu, Martin Fayulu, Martin Fayulu, Martin Fayulu,
Quel est le moment du monde? L'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud et le centre du pays. C'est le choix des Congolais. DJ, Asante Sana, Villa Kuchelewa, Président Martin Fayulu Madidi, candidat numéro 21. Anataka kukamata neno atasema kwa français nami nitamutadui kwa swahili. Tunakubaliana. Swahili yake iko na jikaza kuitengeneza, lakini vocabulaire ngali inapunguka kidogo. Président élu Martin Fayulu, candidat numéro 21. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur la terre de vos ancêtres, la ville de Goma, et avec soif, nous voulons vous écouter, vous avez la parole. Batoto ya Goma jambo! Voilà, je suis de nouveau ici à Goma. Les Africains n'ont pas Goma. Est-ce que vous êtes content de me les voir? Vous êtes content de me les voir là-bas? Merci. Que Dieu soit loué. Parce que je vous ai trouvé vivant. Et certains d'entre mes frères et sœurs ont été tués ici. Aujourd'hui, ceux qui sont à Masisi, ceux qui sont à Rutshuru, sont gouvernés par un gouvernement étranger. Je vais vous demander qu'on observe une minute de silence pour ceux de nôtres qui nous ont quittés ne l'ayant pas demandé. Merci beaucoup, merci. Aksantisana. Mes frères et sœurs, Nuguzangu na Dadazangu, c'est avec beaucoup de peine. Ni pamoja na tabus mingi moyoni et de souffrance. Tama teso mingi daniaro que je prends la parole ici. Ni akamata neno kuzunguza na nini. Je suis très meurtri. Na teseka sana daniaro yangu. Parce que en 2018, ça va beaucoup en 2018, vous avez voté Fayulu, n'est-ce pas? Vous avez voté Fayulu. Vous avez voté Fayulu. Vous avez voté Fayulu pour assurer la paix ici au Nord Kivu. Pour soudi alerte à Mani Danyajimu au Nord Kivu. Mais la Kimi, les destructeurs du Congo ont jugé autrement. Waribifu wa Congo wakamua tofauti na chaguo yenu. Monsieur Kagame. Bwana Kagame, qui avant avait placé Monsieur Kabila. Mbele yeye alitia Bwana Joseph Kabila. Il s'est entendu avec Kabila pour prendre votre victoire et placer
Félix Tshisekedi. Wakakubaliana pamoja na Joseph Kabila wawanyanganye vote yenu wakatia pale bwana Félix Tshisekedi. Est-ce que depuis que Félix Tshisekedi est là, votre situation a changé? Tangu bwana Tshisekedi ko pale hali ya usalama imebadilika. Alors j'entends des gens dire partout, nasikia watu wanasema fasi yote, que Martin Fayulu est avec Félix Tshisekedi. Watu wakisema bwana Martin Fayulu iko pamoja na Tshisekedi. Est-ce que vous le croyez? Vous n'accompagnez pas quand elle maneno. Est-ce que vous le croyez? Vous n'accompagnez pas le maneno. S'ils n'ont pas d'argument, ils doivent se taire. Inaomba wanyamaze wafunge milango watoke. Félix Tshisekedi a volé votre pouvoir. Félix Tshisekedi a liba madaraka yenu. Et il n'est pas digne. Na hastahili. Hastahili. Nye. Nous ne pouvons pas accepter des traîtres dans ce pays. Hatuwezi kukubali wasaliti ndani ya nchi yetu. Félix Tshisekedi a noué des relations avec M. Paul Kagame pour déstabiliser l'Est du Congo. Bwana Tshisekedi walikubaliana Kagame kusudi wa haribu mashariki ya Congo. Vous avez vu, il a, par le canal de Kagame, il a amené notre pays à Eastern African Community, EAC. Walikubaliana na Kagame wakapeleka nchi yetu ndani ya EAC, muungano wa wale ambao wanatuvamia. Est-ce que avant nous étions dans l'EAC? Est-ce que même la décision que vous croyez comme EAC? Mais pourquoi il a amené le Congo dans l'EAC? Ça va Bougali à l'Ipeleka Congo dans l'EAC pour soutenir Ouganda ou Ngéoko? Est-ce qu'un pays sérieux sous-traite sa sécurité? Est-ce que Utawi Tchéli Kono Utawana Wakweli? Il n'a pas pu se faire adoui. Josi Pia Polina ou Salama ou Anaïti Wake. Qui a amené les M23 ici au Congo, au Nord Kivu? Nani, les M23 ou pour le Congo ou pour le Nord Kivu? Qui? Et après, Bada Kabila Mandine Nani. Qui s'était dit? Les M23 étaient battus. M23 ni pidi au wakati wa Mamadou na Bauma pa 2013. Nos généraux le plus vaillant. Waskari wetu wenye nguvu wazalendo kamili. Bauma. Mamadou Ndala. On battu à plate couture les M23. Walipika M23 sana. Le monsieur Félix Tshisekedi a invité les M23 à Kinshasa pendant 14 mois. Bwana Tshisekedi akaita watu M23 Kinshasa kwa muda wa mwezi 14. C'est pour cela, vous le voyez aujourd'hui, déstabiliser le Nord Kivu, Masisi est déstabilisé, Rutshuru est déstabilisé, Goma vit sous tension. Dieu maana munaona Rutshuru, Masisi, yote iko ndani ya vita, Goma inazingiri, banaizingira, na maisha inakuwa mabaya. But, mes frères et sœurs, ndugu na dada zangu, Dieu est grand, Mungu ni mkubwa sana. Ils ont essayé, walijaribu, de balkaniser le Congo, kugawanya Congo, mais ils ne pourront pas, ils n'ont pas réussi, lakini hawayaweza. Grâce à vous, sababu yenu nyinyi wakototo wa Goma, parce que sababu
vous n'avez pas voulu céder. Hamukukubali kuitika mukuitika defaite. Kagame avait demandé à Félix Tshisekedi de mettre la police rwandaise ici à Goma. Tshisekedi alilombaka Kagame alete bataille la police ya Rwanda hapa Goma. Et vous avez refusé. Bravo pour vous. Et Kagame n'a pas trouvé d'autre excuse que d'amener ses supplétifs du M23 ici dans notre pays. Nyuma Kagame akaona njia ya kuzunguruka ile opposition population alerte M23 hapa. Est-ce que ici au Nord Kivu, j'ai hapa ku Nord Kivu, vous avez besoin d'un régime militaire? Est-ce que vous avez besoin d'un état de siège? Est-ce que vous avez souhaité l'état de siège? Est-ce que vous n'avez pas l'état de siège de la liberté? Qu'est-ce que l'état de siège a fait depuis qu'il est là? Quand vous m'avez dit qu'il y a un état de siège, il m'a dit que c'est Maïcha et Moukouanini. Et maintenant j'apprends que l'état, les gouverneurs militaires, je ne sais pas comment l'appeler, et son équipe, ils se sont mis à vendre même les cimetières. Tout le monde a eu un état de siège, on a aussi Shahata, Maziko, il y a Itige, Maziko, il y a Fashiote. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout le monde a combattu les membres de la ville? On les a mis là-bas pour vendre les terrains des Congolais. En 2015, quand j'étais venu ici, je vous avais demandé, je serai candidat. Si je suis élu, qu'aimeriez-vous que je fasse pour vous? Mon attaque, mon dépenda, ni ma famille, ni mi ni ni ma tante, ma nord, qui vous me tante à Goma? Amani, Amani. Alors vous me donnez la même réponse. Mon empathie, il est dit, ou il est 2015. C'est la même réponse qui m'a été donnée, la paix. La paix, la paix. Mais il est dit pour moi, il est dit pour moi, en 2015, Amani, Amani, Amani. Les non-kivusiens m'ont dit ceci. Ici au Nord Kivu. Apa ku Nord Kivu. Nous savons cultiver. Tunajua alima. Nous savons élever les bêtes. Tunajua fuga nyama zetu. Nous sommes courageux. Tukona juhudi ya kutumika kazi. Nous sommes travailleurs. Tuko watoto wa kufanya kazi wa kutembeza chukudu. Nous ne voulons pas une autre chose que la paix, la sécurité. Tunalomba tu kitu moya, amani usalama. Et aujourd'hui, sasa leo, regardez, est-ce que vous avez la paix aujourd'hui? Est-ce que Léo Amani Merudia? Vous avez la sécurité aujourd'hui? Est-ce que Oussalam Merudia? Depuis que Félix Tshisekedi est là, tant que bon Félix, il y a mes kamata Wongozi. Est-ce que la situation est meilleure qu'avant? Est-ce que Hali Bekwa Mouzouri Kouli Tombele? Oui, depuis que Félix Tshisekedi est là, on a emprisonné des musiciens, on a emprisonné des journalistes. Tant que mon Félix avait quoi parler, on est funga, on est musicien, on est funga, on est journaliste, on est funga, on est vision, on est lucha. Pourquoi? Ça va pour gagner. Idengo Delcato a dit que rien ne va. Dans la Idengo Delcato, on s'est dans l'état de piège, monsieur. Et voilà la solution pour eux, c'est de l'emprisonner. Wakaona la solution, les Kumotiens en prison et à Moudzenze. Mais, Lakini, le temps arrive
Muda hiki nafika na imefika sasa. C'est le moment. Ni wakati sasa. Allez, c'est le moment. Faisons comme ça. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment pour que la situation change. Ni wakati ya kubadilisha situation. Idengo del Cato va sortir. Idengo del Cato va sortir. Idengo del Cato, c'est mon fils. Idengo del Cato, c'est mon toto yangu. Et King, King de Mamwisho, de la Lucha, wa Lucha, va aussi sortir. A la passion pour Toka. Ils ont tué Luc Kulula, mais ils ne vont pas tuer tout le monde. Wa limuwa Luc Kulula, la kini haka wa kubalia wa uwe watu yote. Mes frères et sœurs, c'est extrêmement grave que certains compatriotes trahissent le pays pour leur poche. Ni jambo la kuto kukubalika kuona watu wa kongomani fulani wanaujisha inchi sababu ya kujaza mifuko yao. Est-ce que en 2018 pour 2018, vous allez voter qui? Vous allez voter ma mère. Vous allez voter qui? Est-ce que Félix n'a pas honte? Partout où on passe, on dit qu'on a voté Fayoulou. Est-ce que voilà, Félix a ce qui est haïa? Fassion te connaît pas ton apita. Voilà, c'est ma président Elie Marté Fayoulou. Est-ce que quand il regarde ses enfants, sa femme, Wakati Anaona Watoto, il est un bizarre qui n'a pas gagné? Est-ce qu'il n'a pas honte? Alors dites à ceux qui veulent m'attacher à Félix Tshisekedi, honte à eux, parce qu'eux ils n'ont pas de valeur. Il y en a qui étaient avec moi dans Namuka. Ils se sont détachés. Ils sont partis dans l'union sacrée. Donc, ils ont fondé l'union sacrée avec Félix Tshisekedi. Donc, c'est eux tous qui sont comptables de la situation actuelle du pays. N'est-ce pas? Mais moi, autrement, on n'a pas chaque fois expliqué, puis là, il y a des gens qui n'ont pas honte de dire certaines choses. Aujourd'hui, il vient chez toi, il dit une chose, et demain, il va là-bas, il dit autre chose. C'est dommage. Est-ce que c'est ces gens de lumière que vous voulez? Est-ce que les viongozi ont dit les gens pour attaquer pour tuongozi à quelque chose? Merci, merci. Je vous comprends. Vous êtes des hommes et des femmes de valeur. C'est pour cela que nous disons ceci. Nous voulons bâtir un Congo. Pour attaquer pour jenga Congo libre. Abai kohuru. Fort, digne, et prospère. Nous voulons un Congo, pour attaquer tout côté des Congo, qui soit un pays normal. Comme quand on construit une maison. On commence par les quatre murs de fondation. Mais si vous voulez que l'immeuble soit élevé plus loin, avec beaucoup d'étages, la fondation doit aussi être fonction du nombre d'étages que vous voulez. Il est fondation, il n'a pas encore la mouvou, il n'a pas encore le nombre d'étages, c'est-à-dire on attaque à Kouchenga. Et c'est pour cela, Dieu Sababu, dans notre programme,
Mon programme est tout. Nous allons commencer par les quatre murs de fondation solides. Tout à Anja kwa ukuta ine ya fondation zenye iko na nguvu sana. Le premier mur de fondation. Ukuta ya kwanza fondation ya programme yetu. C'est l'intégrité territoriale et la sécurité du pays. Ukuta wa kwanza ni ulinzi wa mipaka ya nchi na usalama na amani ya nchi yetu. Intégrité, sécurité du pays et pacification du pays. Mipaka ya nchi yetu kulindwa, kutia usalama, kutia sécurité ndani ya nchi. Cela veut dire quoi? Ili namaanisha nini? Cela veut dire simplement. Inamaanisha kwamba que nous devons avoir une armée solide. Tunapaswa kuwa na jeshi ambayo iko na nguvu sana. Une armée de patriotes. Jeshi ya wazalendo. Une armée bien formée. Jeshi ambayo inapata mafunzo mazuri sana. Une armée de plus de 500 000 personnes bien équipées. Jeshi ya waskari zaidi ya 500 000 ambao wako na vifaa vya kutosha. Une armée motivée. Jeshi ambalo linalipiwa na liko na hamu ya kutumika. Quand nos militaires sont au front, wakati waskari wetu wako wanapiga vita, ils savent que leurs femmes et enfants sont entretenus par l'État. Wako wanahakikisha kwamba wabibi na watoto wao l'État inawashughulikia. Les enfants des militaires, watoto wa waskari, et des policiers, na watoto wa policiers, depuis l'école maternelle, tangu école maternelle, jusqu'à l'université, mpaka ku université, l'État prendra en charge leur scolarité. L'État itakamata itawalipia masomo yao. Nous allons faire des casernes militaires. Tutajenga makazerne ya askari. Dans le Nord Kivu ici. Katika Nord Kivu hapa. Vous aurez des camps militaires qui soient des camps militaires dignes de ce nom. Tutajenga makazerne militaire ya kuheshimika. Ici à Goma. Hapa Goma. À Beni. Huko Beni. À Butembo. Huko Butembo. Nous aurons des camps militaires. Tutakuwa na kambi za waskari. Et nous aurons des unités bien formées. Tutakuwa na maunité ya wasoldats ambao wako formé mzuri. Qui vont surveiller nos frontières de l'Est. Kwa kulinda mipaka yetu ya mashariki. Personne ne peut plus s'amuser avec les territoires congolais. Hatutaki mtu watu waendelee kucheza na mipaka ya nchi ya Congo. Vous savez pourquoi ce qui nous est arrivé est arrivé. Vous savez tu sababu gani kama moto konayo imefika. Mnajua ni sababu gani? Parce que on a mis des leaders, des dirigeants très faibles. Sababu walitia kwa kichwa ya nchi yetu viongozi ambao ni wa mediocre hawana uwezo. On a mis les dirigeants faibles et les autres dirigeants des pays voisins profitent de leur faiblesse. Wakiongozi wa presidente wa maiti jirani wanaprofite wakati wanaona kukichwa ya nchi kubwa za Congo kunakuwa viongozi ambao ni wazaifu sana. J'ai beaucoup insisté sur cette question de sécurité, cette question de l'armée, parce que c'est la préoccupation majeure de mes frères et sœurs ici au Nord Kivu. Nimesema zaidi juu ya jambo la jeshi ya police, sababu usalama na kimya ndio ombi la kwanza la wakaaji wa jimbo la Nord Kivu. Deuxièmement, fondation ya pili, nous allons établir un état de droit. Hali ambayo wakongomani wote wako sawa sawa mbele ya sheria. On ne peut pas avoir comme ça quand un individu qui s'appelle Tshisekedi le veut, il impose l'état de siège. Hatuwezi kuwa mwali ya uongozi ambao wakati bwana Felix Tshisekedi anataka anasema mimi natia état de siège wa député li watoke
wa gouverneur eli watoke na bila endelea vile. Non, on ne peut pas. A toi si endelea politika mambo ya. Tout doit être conformément à la loi et à la constitution de la République. Mambo yote anapaswa kufanyika sawa sawa na sheria, sawa sawa na katiba ya nchi. Mes frères et sœurs, nous on attend ensemble demain. Kesho, les lois seront les mêmes pour tout le monde. Sheria haki itakuwa sawa kwa wakongomani, kwa kila mkongomani yote. Idengo Delicato n'a rien fait. Idengo Delicato hakufanya kitu. Il a la liberté d'artiste de dire ce qu'il veut. Iko na uhuru kama mwanamuziki kusema ile ambayo ameaminia. Il y a un journaliste qui est à Kinshasa aujourd'hui. Kuna kwa mfanyi mpasha habari ambaye iko Kinshasa na emprisonné. Iko mu prison. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Hajui alifanya nini. Ça, ce n'est pas un état de droit. Et il est haïko uongozi ambayo wakongomani wote wako sawa sawa mbele ya sheria. Il y a des gens qui ont volé l'argent de l'État. Kuko wote ambao waliiba ma millions ya franga ya l'État. Qui ont été mis en prison. Walitiliwa mu prison. Mais ils ont été relâchés. Wakatoka kwa katoshe wa kesho yake. Sans rembourser l'argent de l'État. Bila kurudisha franga yenye waliibaka. Troisièmement. Ukuta ya tatu ya formation ya nyumba ya programme yetu. Nous allons rétablir la cohésion nationale. Tout arudisha umoja kati ya makabila na wananchi wote wa Congo. Le Congo doit être un et indivisible. Congo inapaswa kubaki moja na ya bila kugawanyika. Félix Tshisekedi a amené le tribalisme. Bwana Tshisekedi ameleta ubaguzi ya makabila. Il a amené le tribalisme. Ameleta ubaguzi ya makabila. Est-ce que ici au Nord Kivu vous connaissez le tribalisme? Est-ce qu'il y a pas Nord Kivu mnaza ubaguzi? Et lui, il a amené le tribalisme. Na yeye akaleta ubaguzi ya makabila. On ne peut pas accepter cela. Hatuwezi kukubali mambo kama ile. Nous voulons Congo un uni. Tunataka Congo ambayo iko moja. Alors je vais dire ça en Lingala et l'honorable Kasekwa va avoir répété le slogan là en Swahili. Congo ekolobo. Congo Lingapi. Congo ekolobo. Congo ekolobo. Congo Lingapi. Congo Lingapi. Congo inchi moya. Nous sommes d'accord? Ceux qui veulent diviser les Congo et les Congolais n'ont pas leur place ici. Watamba wanataka kugawanya wa Kongomani hawana nafasi kwa kuongoza. Kabila a commencé la balkanisation du Congo. Bwana Kabila alianza mpango ya kugawa Congo. Tshisekedi est venu. Bwana Tshisekedi akakuya accélérer cette balkanisation. Kuiendesha mbio mbio sana. Lumumba nous avons dit non à la balkanisation du Congo. Lumumba alisema hatutakubali hata siku moja mipaka ya Congo igawanywe. Mes frères et sœurs, dada na ndugu zangu, le quatrième mur de fondation, ukuta ya ine ya fondation yetu, c'est la gouvernance intègre. Ni uongozi ya bila manyanga ya bila rushwa. L'argent de l'État, c'est pour l'État. Pesa za serikali ni za kujenga mipango ya makazi ya wakongomani. L'argent de l'État, c'est pour investir dans le domaine public. Mais à quoi investir quand ils ont failli chez les Congolais wote? L'argent de l'État c'est pour construire les routes. Pranga serikali ni kujenga mabarabara. L'argent de l'État c'est pour construire les hôpitaux. Ni kujenga mahospitali. Donner l'eau et l'électricité aux citoyens congolais. Kupana maji na umeme kwa wakongomani.
Ça, c'est bon, ça. Dire la vérité n'est pas un crime. Vous savez, montez ça, je vais voir. Dire la vérité n'est pas un crime. Vous savez, ma quoi, il y a un cosambe. C'est pour cela. Dieu m'a, je suis en train de dire la vérité. Dieu m'a dit qu'on a sait ma quelle. Il y a trop de voleurs. Pourquoi on a mis mille katika uongozi wa nje? Tapis dans les institutions de la République. Wanaikala kwa uongozi ya nje. L'argent du peuple congolais, franga ya population ya Congo, est utilisé par certains individus pour leurs propres besoins. Wanaitumia kwa mafaa ya jamaa yao wenyewe. Là-bas, à l'Assemblée nationale, pour les l'Assemblée nationale, on donne beaucoup d'argent là-bas. On a cabou la personne de couler pour corrompre les députés, pour corrompre la conscience des députés, corrompre les autres politiciens, pour corrompre les politiciens en Guinée, pour déstabiliser les Congolais, pour soutenir les Congolais et les Salam, pour acheter les pouvoirs, pour kununua madaraka, pour kununua sauti. Si nous avions les députés sérieux. Tout le monde a député en Europe sérieux. L'état de siège serait déjà mis de côté depuis longtemps. Quand l'état de siège, il y a chaque temps que ça mène. Mais parce que les députés ne font pas leur travail. Mais la crise a droit de député en fond et casier. Ils continuent à proroger. Proroger, puis la sabbat pour l'autre. Demain, quelque chose. Vous volez l'argent de l'État. On arrive à perdre ça à l'État. Votre place est en prison. La face à Colimbène est en prison. Vous allez remplacer Idengo Delicato. On est dans Koukamataye qui tanga à Idengo Delicato. L'argent de l'État, ce n'est pas pour prendre et vous donner 10 000 francs, 20 000 francs, 5 000 francs et vous êtes content. Il vous laisse comme ça pour que vous soyez comme des chiens de Pavlov. Demain, qu'est-ce on aura la réduction du train de vie de l'État. Tout à punguza kiwango ya pesa mazo viongozi wa serikali wanakula. Le président de la République, président wa inji, d'abord, kwanja kwake, c'est bien. Doivent être connus. Malia Keyote Michel Tijoulikane. Deuxièmement, Yakufata, c'est que l'État lui paye. Mouchara Yakamayo, l'État n'a moulipa, doit être connu. Il n'a pas Chakujoulikane. Indemnité du président de la République. Mouchara, président de la République. Premier ministre. Y'a premier ministre. Gouverneur de la Banque centrale. Gouverneur de la Banque centrale, le ministre, ou un ministre, président de l'Assemblée nationale du Sénat, viongozi wa bunge ya Sénat, l'Assemblée nationale, député et sénateur, ou un député et sénateur, jusque à l'huissier, pas qu'à l'huissier, ou à l'administration à l'État, tout doit être connu. Monsieur qui la monte, il n'a pas chaque jour. Vous saurez combien le président touche par mois. Et vous saurez tous les avantages liés à sa fonction. Moi, je ne prendrai pas un seul franc comme salaire, comme indemnité. Mais si tu as un dollar, tu zéro. Zéro. Et cet argent ira dans les projets sociaux. Naïe le principe n'a qu'à dire ma projet dans ce qui est en Congomani. Vous avez entendu? Nous avons dit zéro tolérance corruption. Tonasema a tout à Kubani a ta Kidongo Rouge au Mozuaïti. Si Kama vous volez, Unaiba, vous allez en prison. Unaenda ndani ya gereza. On fait enquête sur vous. Tunafanya enquête sur mali yako. Et puis, si vous ne justifiez pas ce que vous avez, kama hautuoneshe mali yako nayo ilitokana na mshahara wako namna gani, l'État récupère tout ce que vous avez. L'État inakunyang'anya vyote ambavyo uko navyo. Voilà, mes chers frères et sœurs, les quatre murs de fondation
de notre programme. Il est déjà au coup d'une la fondation du programme et tout. Vous savez, quatre défis. Il a quoi problème il est en bas de ta lettre sur lui sur bas. Il y a encore 14 autres défis. On a quoi je pour boucler notre programme. En bas de ce quoi programme et tout. Vous avez les défis de l'éducation nationale et de la recherche scientifique. Pour avoir programme, il y a éducation, la cafété, il y a qui sait ça. C'est très important pour nous d'avoir une population bien éduquée. Pourquoi la population en bas il a été mis en vision de ça? Vous avez les défis de l'agriculture et de l'élevage. Parce que nous devons donner à manger à nos enfants. Vous avez les défis pour quoi programme guiné des biens sociaux de base. Il y a quasi en base au chef du cercle partie au Congomani. C'est-à-dire la santé, afia, l'électricité ou même et l'eau. Namadi Mazuri. C'est très important. On doit avoir une couverture acceptable et dans les villes et dans les régions rurales pour nos populations. Katika maville, comme ville est dans ma territoire, Kura, Afia, Maji, Mazuri, il n'a pas choix kupatika na kwepesi kwa watu wote. Vous avez les défis des infrastructures. Tunakuwa na programme ingine juu ya mabarabara, maaéroport na mainfrastructure yote ya kuzunguka. On n'a pas de route. Hatuna barabara. On n'a pas d'aéroport adéquat. Hatuna aéroport za kustahili. On n'a pas de ligne de chemin de fer. Hakuna chemin de fer ya kustahili. On n'a pas de port normaux. Hatuna maport ambayo zinajengwa mzuri. Demain, nous devons changer cela. Il est comme programme tuweze kubadilisha hiyo hali. Nous devons investir dans les infrastructures et même les infrastructures pour la connectivité internet du pays. Tu n'as pas choisi à pesa nini katika ile mambo ya mabarabara, port na aéroport, na hata internet isikue kugumu kuipata. Autre défi, ingine jambo ndani ya programme yetu, c'est l'entrepreneuriat congolais. Wakongomani kuweza kufanya biashara na kutenga makampuni. Nous voulons que les Congolais, tunataka wakongomani, puissent avoir des entreprises, des industries à eux pour donner de la valeur ajoutée de ce que nous produisons. Waweze kukua na makampuni zao, waweze kutransformer ile ambayo tunaproduire, ile ambayo tunalima, ile ambayo tunatosha katika udongo ya nchi yetu. Aujourd'hui, ce que vous mangez à Goma, ça vient d'où? Léo chakula tunatoka Goma, tunakula Goma inatoka wapi? Wapi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ni mambo ya kawaida? Yeah, jana Goma était le grenier même de Kinshasa. Jana Nord Kivu, Goma jilipi na kulisha hata Kinshasa. On recevait les pommes de terre d'ici. On recevait les fromages d'ici. Fromage de Queen Antoka Goma. On recevait les oignons d'ici. Matumbulu Mazuri de Queen Antoka Nord Kivu. Les haricots. Maharagi. Et aujourd'hui, vous êtes obligés d'importer ailleurs. Les pommes de terre Antoka Tanzanie na Nairobi. Même l'eau. Hatamaji. Pas normal. Est-ce que c'est kawaida? Est-ce que nous avons fait un péché, nous avons commis, pardon, un péché pour qu'on nous rende à ce niveau-là? Est-ce que tout le côté à Mungu Kusudi a tout ce qui se croit le kiwango? C'est pas normal. Aïko ya kubalika. Donc, il faut construire les usines. Il n'a pas bougé que ma usine. Il faut l'industrialisation du pays. Il n'a pas ma industrie dernier Haïti. Après les infrastructures, nous avons l'écologie. Tout copie un programme pour Suzu Mazingira. Dieu nous a donné un très beau pays. Mon mal tout va dire une zouli sana. Mais aujourd'hui, on est en train de couper
le bois pour faire le charbon de bois. Léo, tu vois, on a un macala, on a un parc pour te guérir sa macala. On est en train de détruire nos forêts. On a un bomola, on a un mitouyetu. Si nous prenons garde, comme à toi, on est ça, Virunga sera parti dans moins de 5 ans. Quoi? Si il y a bien qu'à dans le parc national et à Virunga, il t'a quoi atteindre? Et les autres parcs nationaux aussi. Dans les parcs nationaux, Zaïdjiet. Donc ce n'est pas normal, nous devons protéger l'écologie. Michel, tu trouves pour ton leader, Mazimir Aïtou. Voilà, il y a beaucoup d'autres défis que nous allons relever pour que le Congo soit réellement un pays libre. Pour la voix, Mambo et Guinée, ma programme est mini, un pays fort. On souligne que tu es coué, un pays digne et prospère. Il n'y a pas une quoi dans ma MLE. Alors, moi j'ai beaucoup parlé, mais laissez ma mini salle. Il y a la pluie. La pluie n'était pas favorable à nous aujourd'hui. Pour la tournée, on a mouvement à une caméra. J'aimerais prendre 4 ni quatre ou 5 anciens qui viennent me dire ce qui est dans le cas. Allez, Kabab. Moi, c'est bien, moi, tu as pris. Maman, Matutano amene ya mungu iko natagesha. Mbio kwa ufupi sana. Bonsoir, monsieur le président. Tout d'abord, nous vous sommes bienvenus. La question directement la police annonce. Yangu aiko ulizo, flanier c'est pas la question. Mais je voulais que vous éclaircissiez toute la population de Goma à ce qui concerne les noms de pots de candidature, des noms de piteux. Parce que cela semble être un défi pour nous, les vrais combattants, les vrais partisans de la cité. Okay. Nous savons la cause, mais votre parole avec le président. J'ai compris, merci. Merci beaucoup. Wapili. Alors, Nijo Moïse, Nico militant à Lucha. Moïse de la Lucha. Nico Nata, Lisa, question moyen, mais quoi, voler Lili. Et avant d'aller au cinéma, les camarades Rada lui répétaient, mais on veut le vivre. Honorable président, tu as Nini ou Katalia, pas député, il a incité pour continuer, mais à la suite, vous avez accepté, vous en tant que président de la République, de déposer votre candidature à la CENI, car c'est quoi, c'est un élu très populaire dans la ville de Goma, mais maintenant la Goma risque de perdre le siège. Et car c'est quoi encore de vous? Et deuxième chose, qu'est-ce que vous nous promettez par rapport à nos camarades qui sont. Vous l'avez évoqué évidemment, mais on a nos camarades King, Mami Chondou King, qui vient de réaliser 2 ans en prison. Il a été injustement arrêté et nous n'avons pas à bien se secouer. Merci. Nous sollicitons votre indulgence pour la libération de nos camarades et même d'autres qui sont arrêtés partout à travers la République. Merci. Je vais répondre d'abord à ces 2 questions. Est-ce que vous savez que Monsieur Denis Kadima est en train d'organiser une fraude massive en faveur de Félix Tshisekedi? Est-ce que vous avez dit que Kadima n'a pas gâté la couille ou tchagouzi pour faire la Tshisekedi? Pourquoi? Ça va vous gagner. Pourquoi je ne suis pas président aujourd'hui? Ça va vous gagner ici qu'on a ou on cause à Ingileo. En 2018. Quoi, 2018? Vous avez voté qui? Molitiago Amane. Vous avez voté qui? Mais pourquoi je ne suis pas président? Ça va vous gagner si Kamate Ongozi. Parce que M. Nanga avait organisé une fraude massive. Ça va vous gagner Nanga, il fallait que Wizi Mukuba Wakura. Et aujourd'hui. On a appelé Denis Kadima pour nous faire la même chose. Denis Kadima, puis à Fagne, il est avec moi, est-ce qu'il y a Nanga? Est-ce que vous connaissez l'état du fichier électoral?
Est-ce que mnajua hali ya ile liste ya waelekteri wote? Personne ne connaît. Hakuna mtu ambaye anajua. Personne ne connaît. Est-ce que il y a des gens ici qui ont besoin de duplicata? Est-ce que vous pouvez voir ton mari carte de chance de Mika ou la table de ma duplicata? Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous avez ma duplicata? Bon, vous n'avez pas reçu les duplicata. Donc là, il n'y a rien. Et mais vous êtes électeur. La Kini, on a dit que vous êtes chagour. Dans 20 jours. Vous irez voter. Vous irez voter. Vous irez voter comment? Monsieur Kadima a fait exprès. Kadima n'est pas la carte à Kusimika, à l'Isifaya Namakusudi. D'utiliser l'imprimante thermique. A Katumia, imprimante en baya, ou il n'a qu'il a Zimika Mio. Parce qu'il sait que dans certains camps, les écritures vont s'effacer. En ajout, quand ma carte est nini, ma niko est à votre. Et donc, vous ne serez pas admis devant le bureau de vote. Malaka ou ta koubaliwa pour voter. Mais à la fin, mais il est aussi bien voté pour ta bouche de qui se malisika. Ils vont vérifier qui ont voté et qui n'ont pas voté. Watangali, ni watungapi wali voté. Et avec la machine électronique, avec l'article 47 alinéa 3 de la loi électorale, ils vont voter pour vous. C'est pour cela. Nous avons dit, il faut mettre la pression sur M. Kadima. Tout à ce moment de la Zima, tu intensifies contrôle pression sur M. Kadima. Vous savez, tous les politiciens au Congo ne sont pas comme nous de la Mouka. On a toujours un politicien où est le Congo, avant que ça va s'y aller à la Mouka. Après l'élection de 2018, Bala ya mchaguzi ya 2018, les animaux ont fui. Warafiki wakanikimia wakaniacha. Ils sont partis à l'union sacrée. Nous avons mené les combats seuls. Pour que certaines personnes viennent aujourd'hui faire la campagne ici. Si nous n'étions pas là, on ne serait pas à ce niveau. Nous avons été tabassés. Nos membres ont été tués. Nous avons organisé des marches pour réclamer la transparence des élections. Nous avons parlé de la vérité des urnes. Nous avons créé au sein de la Mouka une organisation qui s'appelle COEL. Daniel la Mouka tuka una kikundi ambayo inaitwa commission ya kuangalia mambo ya uchaguzi. Qui veut dire coordination des opérations électorales de la Mouka. Uongozi wa mambo ya uchaguzi ya la chama la Mouka. Nous avons dénoncé tout ce que M. Kadima faisait. Après, au mois d'avril dernier, les autres politiciens, même ceux qui étaient partis chez Tshisekedi, ils ont dit qu'ils se sont ressaisis, ils voulaient revenir avec moi. Je dis, il n'y a pas de problème. Si c'est pour l'intérêt du pays, faisons-le. Nous sommes partis à Lubumbashi. Nous avons signé une déclaration en disant que nous ne participerons pas à une parodie d'élection. Et nous exigeons un audit indépendant du fichier électoral. Fichier électoral, liste des électeurs, il va se faire uchunguzi mzuri. Voilà, chers amis, et nous avons signé en tout 4 ou 5 déclarations.
Tukasaini ma déclaration karibu ine ama tano pamoja. Disant la même chose. Tukisirudia ile neno moja. Le 29 mai. Tarehe makumi mbili na tisa mwezi wa tano. Nous avons signé une dernière déclaration. Tukafanya déclaration ya mwisho. Disant que il faut un. Tukasema ya kwanza. Un audit externe du fichier électoral. Audit ifanyike, uchunguzi ifanyike. Deux. Ya pili. Changer la constitution de la CENI. Tubadilishe uongozi wa CENI. Trois. Ya tatu. Changer la composition de la Cour constitutionnelle. Tubadilishe muundo wa Cour constitutionnelle. Quatre. Ya ine. Changer la loi électorale. Tubadilishe mikatengele kanti ya ndani ya loi électorale. Voilà mes amis. Dio sababu rafiki. Et après au mois de juin, kwa mwezi wa sita, j'ai dit aux amis, nikaambia marafiki, faisons ceci. Tufanye hivi, faisons une pression. Tufanye pression kwa CENI. La pression ne veut pas dire qu'on boycotte. Pression haisemi tuna boycotte na election. Parce que nous à la Muka, sababu kwetu kwa Muka, nous avons dit ceci. Tulisema hivi, le 14 juillet 2022 à Kisangani lors de notre congrès. Kwa wakati ya congrès yetu ambayo tumalizika tarehe 14 mwezi wa 7 wa mwaka jana. Résolution numéro 24. Résolution namba 24. Le boycott des élections n'existe pas dans notre vocabulaire. La muka haita kubali hata siku moja kukataa kushiriki uchaguzi. Et les amis ont dit ah non, et ils veulent aller à tout prix. Wengine wakasema uchaguzi haribike na muna gani hawazuru hali ya uchaguzi. Voilà, nous avons exercé la pression. Tukafanya pression. Et cette pression est en train de marcher. Na ile pression inaendelea paka leo. Aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est le fichier électoral. Kila mtu leo anajua maana ya fichier électoral. Nous n'avons pas sacrifié nos candidats députés parce que vous savez qu'il y a que des candidats indépendants aussi qui peuvent être président de la République. A tout coup, sacrifier un candidat député, ça va vous dire que la constitution est en train de se faire un parti politique à se présenter comme candidat président de la République. Ces députés, candidats députés comme l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa. Ou alors un candidat comme l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa. Et les autres. La Wengine. Seront mes ministres. Watakua, wanamna memba, waziri, wakatika gouvernement. Vous avez compris? Mon assidia. Le peuple élit le président de la République. Population, il a tchagoua président de la République. Et parce que c'est le président de la République qui présente son programme. Sababu, le président de la République vient à présenter le programme. On n'a pas besoin d'avoir des noms. Et qu'après, comme en 2018, on fabrique, on dit bon, vous avez 8 députés et vous avez tant de pourcents. Pour tout ça, qui est membre de la famille en 2018, Hata wale ambao walipita, CENI inabadilisha na kupatia, inagawanya wengine inataka. Vous avez compris, il y a une autre question de Idengo et les amis de Lucha, je m'en occupe sans problème. Jambo la Idengo, wana kingi mamwisho tunaifuatilia vizuri sana. Upesi mbio mbio muhui na nyumkuja. Nalingaki nalo babwe. Pona nini baba msenya ba mafuta kama ngombo wa mkie. Kwa nini? Au bangwendo batia kabisho maele na mtu. Thank you. Asante sana. Mama ulizo ingine. Jambo mama. Jambo mama. Mimi mwana ya iti ya Kongoi. Mwanini heshima yetu inashuka. Si venye mali Mungu alitupatia kwanzia wa mkambu. Ndio mwana ya leo wa mkambu ni mwanamke na Yesu wapate kulamuka. Kuheshimisha soda, kuheshimisha polisi, kuheshimisha na watoto wetu wafungue makazi, watoto wapate kutumika. Kwizi kunakuwa mpongojo kukosa makazi. Kosa mwenye minasema kwa mwenye kwa mwenye. Asante, merci. Asante sana.
Les derniers. Jambo bato ya Nord Kivu. Na mie yango ni nata sema. Jwa ni nishieba ku este ba natonele yaka. Ya kwanza, to kila siku inapandaka. Ya pili, bastare ba mingi bako na vipaji mun este. Lakini yango wakita penda ba ime yango wa vikumaki. Ya tatu kwe banyanza kefui zamani me jawa vipitaki. Yengine, bacheza balo, bamingi banayo wacheza. Me, jawa wakayangaiki ata. Na ingine ninge lisema, bakipita na shela basi tusahabu. Tunake tulipotaka, Marte Fayulu ni meyo katre. Afin le dernier, rapidement kwa kifupi avant ça. Oui, la jeune dame a dit pourquoi on ne paye pas correctement les enseignants. La maman a dit qu'il faut respecter les policiers, les militaires qui font bien le pays. Maman a dit qu'il faut il y a un policier, il y a un askari. Ça, je l'ai dit dans notre programme. Il est policier, ma grosse programme, il y a un gros zéro. On va diminuer les trains de vie de l'État. Tout à Pongouza, nous faut qu'on appelle ça, va au Biongos, va se régaler en Angola. Et cet argent sera transféré. Cet argent sera transféré chez les enseignants, les militaires, les policiers et autres couches d'administration nationale. Il est fait ça tout à l'heure. Je voulais demander au président élu Marte Fayulu de mettre la pression au régime usurpateur du pouvoir, de mettre la pression à ce régime qui ne veut pas terminer la guerre à Masisi et Rutshuru afin que nous puissions aussi participer aux élections. Nous avons dit que Masisi et Rutshuru, Tolisema Masisi na Rutshuru, seront récupérés. Totaï Kombola. Et nous avons fait pression, Tolilazimisha, pour dire Tolisema. Un pays ne peut pas aller aux élections sans une partie de son territoire. Merci. Merci. Bonjour. Papa Fayulu. Bien. Deuxièmement, on a fait ma vie. Communauté à Wabou, on a pu arriver chez Sana. On a arrivé Sana, on a pu tout pour nous. On a ma question, moi. Tata, on a tout pensé à nous comme projet d'avenir, quoi tout ceci ou à sourd, une quête pour la valeur de la communauté. Accent Isana, vous allez trouver dans les manifestes de Kisangani. Quand j'ai qu'un projet, tout y a manifesté à Kisangani. On va les distribuer à certains d'entre vous. Tout à l'égard, on va vous indiquer tout. C'est ça. Les programmes et tout, manifestes de Kisangani. Ils viennent. Ici, il y a un défi pour les personnes vivant avec handicap. Pour la mouradi, il y a un autre wana ici, là où les mavou. Donc nous allons prendre ça en compte. La pluie vient, je vais vous présenter Madame Fayulu. Je vais vous présenter. Merci beaucoup.
Merci, malgré la pluie, vous avez bravé la pluie pour m'accueillir. Merci, merci, la peuple est à Roma. On a accueil, le président, la Bino, candidat à la Bino numéro 21, Martin Foyou Madini.